Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est pas du tout le même fond d'habitude, c'est pas du tout la même qualité que d'habitude, parce que c'est une vidéo que je voulais faire, que je voulais être dans l'actualité. Là, l'annonce est sortie il y a un petit peu plus d'une heure au moment où je tourne cette vidéo, donc je voulais sortir la vidéo ce soir. Voilà, je vais pas passer par quatre chemins. L'annonce officielle cette fois-ci, ça faisait des semaines, des mois même, que j'en parlais sur la chaîne, de plusieurs films de Cameron qui arrivaient en 4K, en Blu-ray 4K. On a Titanic, on a The Abyss justement qu'on attendait, il y avait Avatar, tout ça. Tout est en train de sortir là au fur et à mesure, et donc voilà, je voulais vous tenir au courant de ça. Je l'avais dit que je vous tiens au courant, donc c'est le cas maintenant. Enfin, officiellement, The Abyss sort en 4K là dans les prochains mois. Alors, ce sera courant l'année prochaine, très probablement. Ce qui est très intéressant, alors déjà, on a un nouveau poster, on a une bande annonce également en 4K. Le poster, je l'aime beaucoup, j'en parle juste après parce qu'il y a aussi autre chose qui est très intéressant, c'est que le film The Abyss en 4K, donc remasterisé, va ressortir dans les salles de cinéma dès le 6 décembre. Alors, apparemment, c'est sûr aux États-Unis. L'annonce n'est pas encore officielle en France pour ça, donc à voir ce que ça va donner. Mais apparemment, c'est pour une nuit. Exclusivement, peut-être une ou deux soirées, donc ça va être très très peu de séances. Donc le 6 décembre, peut-être le 7, je sais pas. J'ai pas vu sur le planning quel jour ça tombait, si c'était un vendredi ou pas. Mais probablement, voilà, vendredi, samedi sur un week-end. Donc si c'est le cas en France, j'irai évidemment le voir parce que The Abyss, c'est un film que j'avais pas vu. J'en ai parlé, je m'étais fait un petit peu bâcher sur la chaîne à propos de ça. Je l'avais acheté en DVD il y a quelques mois pour pouvoir le découvrir. Et j'ai commencé le DVD, j'avais pas pu finir mon visionnage. C'est un film dont je trouvais énormément de qualité pour l'instant. 2-3 lenteurs, mais que j'ai envie de voir, j'ai pas pu le finir, donc du coup je vais attendre de voir s'il sort au cinéma ou au pire en 4K et je l'achèterai à ce moment-là. Moi, au niveau de l'affiche, justement, je voulais en parler de ça. C'est une nouvelle affiche que je trouve magnifique, bien plus intéressante et plus attrayante perso que la première, que l'officielle, l'original, qui était un petit peu trop mystérieuse et qui m'a jamais vraiment donné envie de voir ce film. Et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai jamais vu, hein, comparé à des affiches de Cameron comme Titanic, Avatar, même True Lies, qui sont un petit peu plus engageantes. Celle-là, je l'avais jamais trop aimé, j'avais pas trop, voilà, ça m'a jamais donné envie. Dans le même genre un petit peu, ça me fait penser à The Thing de John Carpenter que j'ai pas encore vu, enfin que j'avais vu il y a très longtemps, qu'il faut que je revoie. Et pareil, c'est un petit peu le même genre d'affiche que j'aime pas trop, et là cette affiche donne vachement plus envie, je trouve, et un petit peu plus au goût du jour, quoi, avec cette sortie 4K. Ça fait du sens. Voilà, je vous laisse me dire en tout cas vous ce que vous en pensez de cette sortie. Je suis très content, voilà, je voulais, c'est vraiment une vidéo tournée comme ça un petit peu à l'arrache, mais je voulais vous en parler là où je viens de voir la news tomber. Donc je vous laisse la bande annonce tout de suite à la fin de la vidéo, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Nuclear submarine went down. Your company has authorized the Navy's use of this facility for a rescue. My people are not qualified for this. We're oil workers. Lieutenant Koff, we'll transfer it down to you with a SEAL team. You'll do absolutely nothing without direct orders from me. There is something down there. Something not us. Not human. You have to trust me. It was the most beautiful thing I've ever seen. We all see what we want to see. He sees hate and fear. You have to look with better eyes than that.